Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de à quel matériel commencer la vidéo sur YouTube. Je vais faire quelques vidéos, même pendant l'année, vraiment de tutoriels pour vous expliquer certaines choses et notamment certains sujets qui m'ont vraiment pris la tête quand j'ai commencé. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis environ à 300 vidéos faites et mises en ligne sur YouTube. Donc c'est à peu près 300, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus, j'ai pas vraiment calculé. Donc ça me permet d'avoir une petite expérience pour vous, enfin pour ceux qui démarrent, pour ceux qui veulent se lancer, parce que clairement je crois beaucoup à la vidéo sur internet, sinon j'en ferai pas, qui veulent se lancer pour avoir, pour passer un petit peu cette étape qui peut être prise de tête de savoir avec quel matériel démarrer. Il y a trois choses, en fait trois points essentiels pour la vidéo. Le premier c'est l'éclairage, le deuxième c'est le son et le troisième la qualité de la caméra, donc ça peut être un petit peu les mêmes choses, donc le son, qualité de la caméra, voilà, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. L'éclairage c'est vraiment quelque chose de très important pour commencer. Donc alors il y a deux possibilités pour l'éclairage. Soit vous utilisez l'éclairage extérieur. Donc par exemple là actuellement, là où je suis, voilà, l'éclairage est pas terrible. Si par exemple voilà je fais ça, voilà, je me sers d'une fenêtre. Donc, je sais pas si on voit. Voilà, vous pouvez voir que l'éclairage tout de suite devient largement meilleur parce que je me suis mis devant une fenêtre. Donc c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Donc moi je me permets de faire ça. Donc je me permets de faire ça parce que l'appareil que j'ai, je vais en parler après, gère bien en basse luminosité. Et puis moi voilà, je suis orienté vlog, donc voilà, de toute façon l'éclairage c'est pas ma priorité. Mais si vous voulez un bon éclairage, il y a deux solutions. Soit vous installez du matériel fixe, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir une pièce dédiée parce que c'est assez pénible à monter. Et vous investissez, ça va être pour 200-300 euros de matériel d'éclairage. Donc ça commence à 100 euros, vous pouvez avoir pour 100 euros quelque chose de correct, par exemple une lampe LED avec son pied, vous pouvez avoir des mini kits d'éclairage avec des lampes pas super puissantes pour 100 euros, qu'éventuellement vous pouvez déplacer. Donc moi je m'y connais pas extrêmement bien à ce niveau-là parce que j'ai jamais fait ça. Au début je me posais la question de savoir si je ferais ça ou pas, mais finalement je me suis dit que non, j'allais plutôt orienter sur le fait de bouger. Donc voilà, donc l'éclairage c'est très important. Pour démarrer, je vous conseille pas d'investir dans un set d'éclairage. Je vous conseille de vraiment essayer de trouver au début, si vous faites ça dans quelque chose de fixe, soit de vous filmer dehors, soit de trouver une pièce où il y a quand même des fenêtres où vous allez pouvoir vous servir de l'éclairage naturel pour avoir un éclairage correct. Le matériel et le son. Donc moi j'ai filmé peut-être sur les 300 vidéos que j'ai faites, j'en ai filmé peut-être 270 avec ça. C'est un Samsung Galaxy S5. Alors voilà, je vous conseille clairement de commencer avec un smartphone. Donc ça peut être un iPhone, ça peut être votre smartphone. Donc à partir du moment où il filme en 1080, bah voilà, ça va faire l'affaire. Donc le truc avec le smartphone, c'est que il y a deux caméras, donc la caméra frontale où vous allez pouvoir vous filmer comme ça, et la caméra dorsale, enfin la caméra de l'arrière du smartphone. Clairement, la qualité est largement meilleure avec cette caméra-là, largement meilleure. Donc je vous conseille vraiment de vous filmer comme ça, même si vous ne voyez pas, ça sera vraiment mieux en termes, beaucoup mieux en termes de qualité. Donc après c'est à vous de voir, particulièrement si vous avez un smartphone d'entrée de gamme, filmez-vous vraiment avec la caméra à l'arrière. Maintenant le smartphone ça fait un super boulot, et au niveau du son, voilà, vous achetez ça, donc c'est un micro cravate Rode. Il est facilement trouvable sur Amazon, donc Rode. Je vous mettrai peut-être, je sais pas, le lien dans la description de ce micro cravate. Il coûte 50 euros, donc attention, il y a une version qui est compatible uniquement iPhone et une version qui est compatible aussi avec Android. Donc il y a les smartphones qui sont compatibles notés dans la fiche du produit sur Amazon. Donc moi j'ai pris évidemment la version qui est compatible iPhone et Samsung et donc Android. Donc le smartphone c'est vraiment cool pour commencer, honnêtement vous n'avez pas à vous prendre beaucoup plus la tête que ça. Le gros inconvénient du smartphone, l'inconvénient majeur du smartphone, c'est que dès que vous n'allez pas être avec un éclairage suffisamment bon, donc c'est-à-dire soit vous avez vraiment votre set d'éclairage, soit vous faites vraiment l'extérieur, c'est-à-dire que si là au jour d'aujourd'hui, maintenant, quand je suis en train de filmer ici, je filme avec mon smartphone, va donner un truc affreux. Donc le problème c'est vraiment la basse luminosité, c'est-à-dire que c'est des appareils qui sont pas bons du tout, qui captent mal la lumière et donc qui sont pas bons du tout en basse luminosité. C'est-à-dire que si vous filmez même pas à la tombée de la nuit, même si vous êtes chez vous avec un éclairage artificiel, avec des lampes classiques, vous allez avoir un éclairage qui va être très 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 mauvais. Donc l'étape supérieure après le smartphone, ah oui juste,
Au niveau du prix, voilà, vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez toucher un Galaxy S5 pour 200-250 €, je pense, d'occasion. Donc ça reste un investissement. Si vous avez déjà un smartphone, ne le faites pas, mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée de l'ordre de prix. Ensuite, l'étape supérieure, après, c'est celui que j'ai actuellement, et pour moi, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est incroyable, c'est le Canon G7X. Donc le Canon G7X, il coûte un petit peu moins de 500 € maintenant sur Amazon, il coûte 480, je crois. C'est un compact, donc je vais pas vous le montrer parce que forcément je suis en train de filmer avec. C'est un compact et il est vraiment 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 génial, particulièrement si vous faites du vlog ou vous bougez beaucoup, parce que sa grande force, c'est qu'il est excellent en basse luminosité. Il est vraiment excellent en basse luminosité. Moi, j'adore cet appareil. Je suis passé à cet appareil il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et ça a vraiment vraiment changé les choses. C'est à dire que maintenant, si j'étais resté au Galaxy S5, je pourrais clairement pas commencer à me filmer ici ou le matin chez moi quand il y a de l'éclairage artificiel, ça serait juste pas possible. Donc le G7X, vraiment c'est top. Il a un micro intégré qui est très bon. Vous l'entendez là, c'est le micro intégré, il est bon. Donc après, forcément, si vous vous mettez à 100 mètres, ça n'ira pas. Donc là, vous pouvez toujours faire la combinaison d'avoir un smartphone avec vous, avec le micro, et vous le gardez sur vous et l'appareil plus loin si vous faites des interviews par exemple. Mais vraiment, c'est un appareil que je vous conseille pour un prix. Bon, le prix est quand même un petit peu élevé parce que quasiment 500 €. Donc très franchement, au début, n'investissez pas là-dedans. Commencez à faire au moins 50-100 vidéos avec votre smartphone et après vous pourrez voir. Mais vraiment, en termes de compact, le G7X, il est vraiment vraiment bien. Et surtout, ce qui est bien avec le Canon G7X, c'est qu'il n'y a pas à se prendre la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas des diffs. Forcément, vous pouvez faire des réglages, mais même sans faire trop de réglages, en le mettant en automatique, vous avez déjà des très très bons résultats. Alors ensuite, le niveau supérieur, c'est quoi? C'est tout simplement les réflexes. Alors les réflexes, moi je sais qu'au jour d'aujourd'hui, si je devais acheter un réflexe, j'achèterais le Canon 70D. Je crois que c'est ça, le Canon 70D. Alors là, on entre vraiment dans un autre monde où alors vous avez l'appareil, vous avez différents types de lentilles. Chaque lentille a sa spécificité. Alors il y a des lentilles qui sont plus ou moins tout terrain, mais il y a des lentilles qui sont faites pour filmer pour filmer en fixe, d'autres qui sont faites pour bouger parce qu'il y a là où il n'y a pas de stabilisateur. Il y a des lentilles qui sont plus d'extérieur, des lentilles qui sont plus d'intérieur. Enfin bon, bref, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, actuellement, ça me convient très bien. Surtout que pour filmer dans la rue, quand vous avez déjà un petit compact comme ça avec un pied, il y a tout le monde qui vous regarde. Alors quand vous avez en plus l'attirail avec le gros réflexe, avec la grosse lentille, bon, ça doit être encore le cran supérieur. Maintenant, j'y passerai sûrement un jour, mais actuellement, pour les prochains mois, en tout cas, pour le moment, j'en vois pas vraiment l'utilité. Voilà, donc là, vous avez déjà ce qu'il faut pour démarrer. Donc, très honnêtement, la configuration de base que je vous conseille, c'est de simplement prendre un éclairage. Être dehors ou alors devant une pièce qui est quand même baignée de lumière parce qu'il y a plusieurs fenêtres, votre smartphone, un micro à 50 € Rode, et voilà, c'est. N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves et dans quelques jours, on commence la série des 366 vlogs. À bientôt !